C'est passé une très belle chose une fois avec mon père. J'étais très chiant. On était juste tous les deux. Et puis un moment, je rote. Comme ça. Et par réflexe, il me fait comme ça. Et je fais comme ça. Il fait comme ça aussi. Et il fait... Pardon, excuse-moi. Ça, pour moi, c'est très important. Parce que, au-delà du fait de s'être excusé, ça veut dire qu'il me parle comme un adulte, en fait. J'ai été élu par des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont jamais considéré comme un môme, simplement. Du coup, bah, j'ai jamais fait vraiment de conneries. La sévérité m'aurait semblé militaire. Donc, ça veut pas dire que j'ai pas vraiment de sévérité avec mes enfants. Instinctivement, ils se disent, ça, si je vais là, lui, ça va pas lui plaire à lui. C'est pas une sévérité, c'est juste, j'essaye de leur inspirer, d'être pas être trop con. Je connais des gens de près, par exemple, qui sont incapables d'avoir une fille qui a 15 ans qui revient enceinte chez eux. C'est des mecs qui vont dire, moi, ma famille, qu'elle dégage, elle leur met et puis les pieds là, c'est fou, enfin je veux dire il y en a qui pensent vraiment encore comme ça oui. alors qu'en fait la seule chose qu'il faut faire bah, c'est improviser c'est être intelligent puis être gentil et je ne sais plus quel stand-upper américain finit son spectacle comme ça, la vie est dure, soyez gentil c'est tout con hein, mais je crois qu'il y a une clé là-dessous <music>